Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, la dernière fois on avait fait une super mission qui s'était bien passée tranquillement. Les nouveaux ingénieurs Alors, sont arrivés ce matin, commandant. donc on a la fonderie qui va bientôt finir, il faut que je fasse un laboratoire, c'est important. Alors, donc l'ascenseur ici qu'on va creuser, bon on est à 156 mais là ça va. Allez. Wow, je pensais que la fonderie aurait le temps de finir, mais non. Canon Phoenix. On va essayer de choper l'ovni. Cible en vue. Alors. On arrive vers la cible. Bim, bim. Voilà. On l'a eu, on va envoyer le Mercure. Il faudrait que j'augmente la taille de l'escouade pour inviter des petits nouveaux. Mais pour l'instant ça va, on va entraîner cela. On invitera un petit nouveau dans la prochaine mission. Toujours avoir des unités en rab. Par contre j'ai toujours pas amélioré génétiquement mon sniper, mais il faudrait que je le fasse. Alors. Le prochain site de mission est au Royaume-Uni. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Ok. Centrale, ici on y va. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Strike One est prêt à sécuriser le vaisseau. Bien reçu, Rapace. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. Voilà, j'ai tourné la caméra parce que je préfère cet angle de vue. Alors, donc où est-ce qu'on pourrait placer notre sniper? Donc on a la mêlée par ici. Où serait tombé le vaisseau? Bah, il est tombé par là, il est tombé en face quoi. J'y vais. Peut-être qu'elle est là. Ok, par contre là on n'a pas de couverture du tout. Ce qui est quand même assez embêtant. Oula. Ça gueule bien. Position confirmée. Je crois qu'il est tombé par là-bas. On peut pas monter là-haut? Ah si, on peut monter, mais c'est par ici quoi. Tout de suite. Alors. J'y vais. Tu vas venir par ici. Hop. Voilà. Ah, à gauche. Hey, vous n'avez rien entendu? Objet alien en vue. Ok, j'ai 6 tours pour aller récupérer celui de là-bas. Par contre, on va se cacher un peu. J'écoute. On voit toujours rien. Affirmatif. Ça sent le gros bordel futur. Alors, vigilance. Bien, commandant. Ça sent le gros bordel. Ok, on va continuer d'avancer. J'y vais tout de suite. Pas que j'avance trop non plus.
Toi, tu vois toujours rien, toi? Ah, évidemment, je me suis mal calé. Je suis en route. Voilà. Ça roule. Si tu vas aller avec le CEM, on va faire avancer les deux autres. Putain, il voit toujours rien. Très perturbant. Il y a quelque chose là-bas. Écoutez. Ah. Planeur. Ok, tir réflexe raté. Cible manquée. Joliment raté. Allez, peut-être que toi. Ouais, non. Ok. 29%, c'est tout. Non, mais tu le vois pas là, celui qui est juste là, là. Celui que tu peux toucher à coup de lance-lame. Mais c'est pas croyable. Voilà. Alors toi, si tu te mets par là, est-ce que tu peux l'avoir? Non, mais par contre au niveau vigilance c'était plutôt pas mal je pense. 30%, mais attends. Ah, je peux pas faire la roquette dans le même tour. Est-ce qu'il est... Ah, il est trop loin. Ok, grosse bouse. Yes! Bon, c'était un peu dangereux. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de. Bien, chef. De pourcentage, mais c'est passé. Alors, il a l'air d'être là-bas. Je m'en charge, commandant. Il est ici. Donc on va avancer. Je rejoins la position. Par contre, c'est très très plat, c'est très perturbant. Ah zut, je suis vraiment. Bien reçu, je bouge. Voilà. On va faire avancer d'un bon coup parce que je là. Confirme la position. C'est tous un peu très loin. Tout de suite. On va pouvoir aller voir le vaisseau. C'est quoi qui fait ce bruit? Non, je sais rien, tu vas nous le dire. Je suis en route. Contact ennemi confirmé. Ok, des bestioles. Donc... On va tous se regrouper ou en tout cas garder un œil sur les uns sur les autres. Hop. J'y vais. Faut qu'on ait tous d'accord. Une vigilance les uns sur les autres. Ok, je suis prête. Affirmatif. Allez. Le numéro 1. Ouf. Non, vous énervez pas. Il a eu son compte. C'est bon. Allô. Je suis en route. Je crois qu'il y en a une deuxième là-bas. J'ai cru voir quelque chose. Donc, on va avancer un peu quand même, en restant groupé.
Il est là-bas, le dernier est peut-être un peu loin. Affirmative. Ah, j'aurais dû fabriquer électroflux. J'ai complètement oublié. Bah, ça sera pour la prochaine mission. Hein. Ça sera pour la prochaine mission. Alors. Bah, elle sort pas. Je suis en route. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Ah, il est déjà plus gros le vaisseau. Je me remue. On va avancer. Je suis en route. On peut y aller. Je bouge. Toc. Alors, quand est-ce qu'elle va sortir, la bite du la tentacule? Ah, bah là, voilà. Vous faites pas tous un petit réflexe? Non, mais dites pas que... Elle est pas morte. C'est quand même... C'est quand même grave, les mecs, là. Si elle est pas morte avec tout ça... Allez, fais-nous un petit tir à la tête, là, juste à côté. Ouais, ouais, t'es juste à côté, mais tu tires à côté. Pff, oh là là. 91% si tu la rates. Bon, allez, on va recharger, on va faire un petit tour de vigilance. Ok, la mêlée est désactivée, c'est pas bien grave. Ok, je bouge. Commencez à rentrer. On va passer par là. Bon, par contre, le sniper qui sert pas à grand chose à l'intérieur. On va rentrer avec les autres unités. Zut, j'ai fait un sprint. Bon, c'est pas grave. Alors. Position confirmée. Tu vas rentrer. En vigilance. J'suis parti. Toi, tu vas te mettre ici. Tu vas nous ouvrir la porte. Ok. D'où vient ce bruit? Il y a quelque chose à l'intérieur, on le sait. On avance. Ok, on va prendre celui-là. Ouvre-nous cette porte. Ennemi repéré. Te voilà. Ça va, vous amusez bien tous les deux là? Ça c'est fait. Et maintenant le jeu, ça va être de retrouver les autres bestioles. C'est sûr qu'il y en a vu que la fin... Enfin, c'est pas encore la fin là. Du coup, toi, on va te faire balader. Ah mais non, mais il n'y en avait pas là. On va te laisser en vigilance. On va explorer l'intérieur du vaisseau. Parce que pour un vaisseau moyen, il n'y avait pas grand chose. Alors. L'ordinateur de vol des extraterrestres devrait être très utile pour nos recherches. Tâchez de le rapporter à la base en un seul morceau. Ouais, ouais, c'est bon. On devrait y arriver.
5 sur 5. Voilà, j'ai fait des sprints un peu bourrins là. Ça devrait aller. Alors j'aimerais bien savoir où sont les bestioles quand même. Ok. Vous allez m'ouvrir cette porte et on va vite ressortir. Alors, il y a quoi dans cette salle? Je me dirige vers la position. Y a rien. On ressort. On ressort illico presto. Alors toi, tu vas aller te foutre. J'y vais. Ennemi en vue. Ok, restez deux planeurs. Ah, ils étaient bien cachés ces deux-là quand même. 38, 58. Allez hop, un petit tir à la tête. Oh non! Ce sera mon ballot quoi. Allez hop, on sprint. Un petit sprint. On va aller aider notre sniper qui va finir par se faire tailler en pièces. Bien, chef. Voilà. Mon Dieu. Comment il a fait ça? Ok. Alors toi, est-ce que ton tir de roquette... Ah non, c'est trop court quoi. Ça tire pas plus loin la roquette perforante? Oh non, allez oh. Allez, tu nous le tues là. Sinon c'était dans la caca. J'ai tort. Adieu. J'y vais tout de suite. Alors est-ce que la grenade frag ça va suffire? Ah ouais non, c'est super loin quoi. Allez, croise les doigts. Oh. La cible n'a rien. 56, alors t'es plus loin et tu le vois mieux. Je suis bête. Fusillade. Oh, j'ai rien gagné là. Merde, à côté. Bon, viens là la CEM parce que... J'y vais. Et urgence. J'aurais pas dû la laisser toute seule. Ouais, faut vite aller stabiliser parce que là. J'ai 3 tours pour l'empêcher de succomber à son hémorragie. Bon. Ok, on l'a pas perdu. Ouf, bah ça a été chaud, hein. Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils soient encore derrière. Ouh, c'était casse-pied. Enfin, on a réussi à gérer. Alors. Ah, 12 jours, quoi. Pendant 12 jours, on n'a pas de sniper. Alors, module jet boot. Tu peux monter à des hauteurs inaccessibles. Ouais, d'accord. Couverture, offre une couverture complète. Ouais, plutôt les jet boot. Ça, ça permet de se transformer en un mur, quoi, pour les autres unités. Le jet boot, c'est mieux aussi. Pour pouvoir tirer d'en haut, ça fait un peu plus de mobilité. Alors, les medikits peuvent réanimer les soldats en état critique avec 33% de leur santé max au lieu de déstabiliser. C'est pas mal. Donc, barrage déclenche un barrage qui immobilise la cible, permettant d'effectuer un tir réflexe entre elles. Ouais, non. Medikit, c'est pas mal. Toujours bien d'avoir du soin. Voilà, ça fait 20 minutes. Alors, caporal. Plus 5 défense par ennemi en vue. Plus... Ouais, non, c'est mieux la défense.
Ah la vache, j'ai plein de médailles à décerner. On va direct au space hangar avant que j'oublie. Et non, il faut un lieutenant. Mais il faudrait que j'améliore ça aussi. Guérison rapide. Les soldats récupèrent deux fois plus vite de leurs blessures. Ah, j'ai 156 quoi. Faudrait que j'achète Esquest 2 dans tous les cas. C'est indispensable. Bon, et ben on va s'arrêter là. Parce que ça fait 20 minutes. Ça s'est plutôt mal passé d'ailleurs. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous !